Salut, c'est Seb, on se retrouve sur Racing pour le championnat de Skip Barber. Donc on est sur le week 9 sur Charlotte Motor Speedway. Un circuit, je ne suis pas très fan, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'aime déjà pas l'oval. Bon là il y a un peu de road dessus, donc ça change un peu la donne. Mais on est parti pour 16 tours. Alors je me suis qualifié visiblement deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Bon. Alors, c'est un passage pas de bon truc, hein. Il y a peu de monde qui a fait les tours, visiblement. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. Hop, on se met en grille. Il y a l'air d'avoir peu de monde qui roulait. Donc j'ai peur au freinage, j'ai peur au premier tour, j'ai peur sur beaucoup de choses, surtout sur ce circuit-là. Peu de dégagement, peu de place à l'erreur, donc on risque de pas finir beaucoup. Voilà, voilà. Alors on va essayer de prendre un bon départ pour pouvoir se dégager de la masque à derrière. Déjà, faux départ derrière. Ça commence très très bien. Est-ce que c'est voulu ou pas? J'en sais rien. Ce faux départ. Il y a déjà du souris. On va essayer d'assurer plus ou moins le coup, on va suivre le gars, voir le rythme qu'il a. Je suis deuxième, je vais pas prendre de risque. Pas suivre de trop près, hein, s'il part en spin ou autre chose. Surtout qu'on arrive là sur la partie très délicate du circuit. Là je suis obligé de soulager. On va revenir. Ici, gros freinage. Bon, les gars, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où est la piste. Ouh, ouais, il y a clairement moyen de le passer, lui. Donc, on va checker ce qu'il y a derrière. On va regarder comment il roule. Clairement pas l'habitude. À moins qu'il joue bluff. Je crois qu'il y avait deux Français avec moi sur cette course, sur ce split. Ce qui est dommage, c'est que là, à chaque fois je suis obligé de soulager. On va soulager un peu avant. Comme ça je vais pouvoir reprendre un peu plus de vitesse. Vous voyez derrière, c'est quasi à 2 secondes, mais bon, il n'y a rien de fait, hein, ça.
il part. C'est bon, je l'ai évité. Allez, on est premier. Il reste plus qu'à assurer. On va pouvoir papoter un petit peu. Ah là, au moment où je tourne la course, on est dimanche. Je sors de l'endurance sur Air Factor 2, qui a eu lieu donc hier. Endurance sur lequel on n'a pas terminé avec RS Man. Je suis encore très frustré. Je suis agacé, déçu. Pas mal de choses qui trottent. Pas les derrière, ça revient moins d'une seconde. Alors déçu, pas mal de choses, hein, notamment déjà le départ. On est resté 3 tours sous safety car. Déjà ça, c'était bien galère. En plus, on est rentré dedans. Donc ça déjà. Ça c'est déjà pénible. Et puis le fait de ne pas avoir fini, parce qu'en fait au changement de pit, on a fait le changement de pilote, et ben il y a eu un bug. En fait, ce que vous avez pas dit, c'est qu'il fallait quitter, que ceux qui ne roulaient pas devaient quitter la session. On s'était pas entraîné dans ce sens-là, on s'était pas entraîné comme ça. On s'était entraîné simplement en restant sur le serveur, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bref, faut essayer de tourner la page, penser à autre chose. Pendant que là, je vais me faire reprendre la première place. Est-ce que je l'attaque? Non. Derrière, ça joue aussi. Ah, ça me prend à l'intérieur. Eh ben vas-y, hein. De toute façon, il faut se laisser faire sur Yassine. Si tu veux pas finir au tas, il faut se laisser faire. On va essayer de choper l'aspi. Parce qu'on vient de passer P3, on récolte, on discute. C'est peut-être des gars qui n'avaient pas roulé, qui n'avaient pas fait les qualifs et qui seront en fait bien, bien meilleurs que moi. Ça c'est probable. Vu comment ils passent le virage, ouais, c'est possible. Derrière c'est 8 secondes. On est pour l'instant sur le podium. J'ai bien arrivé à lui trouver un petit setup à cette skip. J'essaye hein, des choses. Je préfère les travailler moi-même que de les choper quelque part, même si des fois, par manque de temps, eh ben, j'ai pas le choix. Et même derrière, ça revient. Vu que ça va rouler, est-ce que ça va rouler propre? Est-ce que ça va dépasser comme il faut? On va voir. Donc on a déjà fait 6 tours. Ouais, bah est-ce que ça va attaquer? Ça me paraît difficile d'attaquer là.
Ainsi, ça tente. Derrière, c'est déjà 6 secondes 8, Alberto. Allez, vu qu'il a soulagé, ben moi ça profite pour moi. On va revenir là-bas au freinage. Je serre toujours les fesses hein. Quand je passais sur celui-là, je vais pas dire c'est qui tout doux, mais t'as beaucoup à perdre. Bon, je suis toujours dans son aspi, ça c'est bon pour moi. Derrière il revient aussi à 6 secondes. Donc là je le passe mieux que lui, je freine un petit peu plus tard, c'est un peu plus risqué, mais bon. Vu son rythme, j'ai pas trop le choix. Pas sûr de conduire ça. Allez, on est pas mal, 800 un peu. Ah, il s'est loupé. Là, j'ai pas en profité là. J'ai soulagé parce que j'ai cru qu'il allait partir. Ouais, ça va être chaud, hein. Je vais pas pouvoir l'avoir. Meilleure vitesse de pointe. Je vais tenter. Non, non, qu'est-ce que tu fais, grand? J'ai soulagé, putain, je me suis pris le vibreur. Bon, il a été sympa. Il a vu que j'étais à l'intérieur. Clairement, il aurait pu me bloquer. Pas qu'il chope mon aspi, donc il faut pas que je traîne. Alors devant c'est peut-être encore jouable, je sais pas, 3 secondes 3, on va voir ce qu'il dit. Regardez ce qui se passe dans le rétro derrière, parce que là... Il a pris mon aspi. Mais c'est foutu, il va revenir. Seul moyen où je peux le reprendre, un peu de terrain. C'est sur ce freinage là qui va arriver. Ah, il a bien pris aussi.
Donc là, il va attendre qu'on passe. Ah, il a très très bien pris. Il va m'attaquer là, c'est normal. Je vais le laisser passer. Allez, celui-là, il est important. Ah, derrière, c'est à moins de 3 secondes. Il va nous rester 6 tours, donc il va revenir. Ils sont à 2 à revenir, donc... Voilà, faudrait pas qu'on se gêne là, actuellement. On va essayer de garder le podium. Mais bon, clairement, ils sont plus rapides. Voilà, voilà, voilà. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai arrêté d'accélérer parce que là, c'était parti pour la toupie. Allez, c'est bon, tiens le coup, allez, allez. Oh, tu passes la vitesse là? Ah putain, c'est... Je sais pas si c'est ma boîte, ma palette. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai bloqué. Oh, c'est chaud ici. Derrière, c'est à 2 secondes. On va gêner tous les deux et on va perdre du temps. Et ouais, c'est exactement ce qui se passe derrière, c'est à revenir à une seconde. Putain, c'était chaud. Faudrait que je le passe, hein. Putain.
Heureusement que j'ai son aspi, mais bon, vu la vitesse ça revient derrière, je sais pas ce que je vais faire. Ah non, hey, les gars, s'il vous plaît. Il reste 2-3 tours. Pas doubler n'importe comment. Voilà, t'es obligé de le laisser passer. Voilà, retardataire, si vous pouvez le placer entre nous. Oh, il s'est étourlé, il a emmené l'autre avec. Ouh là 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 là. Bonne affaire. Eh ben du coup il reste plus que nous deux mon petit. Il va pas me rester beaucoup de tours pour te rattraper. Alors, regardez derrière, il a pris le. Il a pris du terrain. Putain, elle était partie, la petite là. Ah, il est quasiment à 2 secondes. Hein. Il a plus la pression, donc il va plus faire d'erreur. Il va me regarder dans les rétros. La même le même choix, accélérer ou assurer la place. Il reste 2 tours, je suis en moins de 2 secondes. Après, vu le rythme, je pense que je peux. Ah, je suis trop loin pour prendre son aspi, il va rester un tour, donc autant vous dire, ça va être chaud patate. Ah, elle a repris d'avance. Bon, ça aurait pu être pire. On a pu perdre beaucoup de place tout à l'heure. Ce virage là il le prend bien mieux qu'avant. Ouh putain l'herbe. Non ça t'allais pas. T'allais pas la refaire quand même. Bah allez, on va se contenter quand même d'une 3ème place. J'ai eu peur hein, d'avoir une grosse catastrophe, un gros carnage. Enfin voilà, c'est pas mal, je suis content. Enfin, on va attendre le dernier virage. Le mec il fait plaisir hein, sur le dernier. Ah non, il n'est pas fait exprès. Donc voilà, bah comme d'habitude, de toute façon, je vous mets les résultats en fin de course. N'hésitez pas à liker, partager tout ce que vous voulez, ça me fera plaisir.
Et puis bah écoutez, on se dit à une prochaine course. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Je vais peut-être faire une petite pause sur les lives, j'en sais rien. En tout cas, restez à l'affût, hein, que ce soit sur le Twitter, le Facebook ou la chaîne. Tout est dans la description. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Bonne semaine. Salut.